Bonjour mes chers élèves, aujourd'hui une nouvelle leçon d'orthographe intitulée Les homonymes son et sont, S-O-N et S-O-N-T. Prenez vos manuels à la page 92. Avant de commencer, conjugue au présent le verbe être aux trois personnes du pluriel. Les trois personnes du pluriel sont nous, vous, elle ou bien elle. Nous sommes, vous êtes, ils sont, elles sont. Nous sommes, vous êtes, ils sont, elles sont. J'observe et j'élabore. Mon oncle habite à la campagne. Il cultive des légumes dans son potager. Quand les légumes sont bien mûrs, il les ramasse et les range dans des caisses en bois. Le matin, de bonne heure, il les charge sur son camion et les transporte au marché de la ville. Son fils l'accompagne pour l'aider. Ils sont heureux de vendre du légume tout frais. Je passe à répondre aux questions suivantes. Question numéro 1. Souligne les mots qui viennent après son. Quelle est leur nature? Les mots qui viennent après son, c'est potager, camion et fils. Quelle est leur nature? La nature de ces mots, que ce sont des noms. Ce sont des noms. Quelle est la nature du mot son? La nature du mot son, le mot son est un déterminant. Un déterminant. Écris la dernière phrase au singulier en commençant par il. Que remarques-tu? Il. Sont, je vais écrire il est heureux de vendre des légumes ou frais. Elle est heureuse de vendre des légumes tout frais. Que remarques-tu? J'ai remarqué que son est le verbe être. Il est conjugué à la troisième personne du pluriel. La première phrase, il est écrit sans. Ce verbe est conjugué à la troisième personne du pluriel. Et
est. Il est conjugué au troisième personne du singulier. Je passe, retiens. Je ne dois pas confondre son et sans. Sans avec S-O-N-T est une forme du verbe être conjugué au présent. C'est le pluriel de est, E-S-T. Exemple, les enfants sont là. L'enfant est là. Ici, la phrase est au pluriel. Les enfants au pluriel. Je conjugue le verbe être à la troisième personne du pluriel. L'enfant est là. Son avec S-O-N est un déterminant possessif qui peut être remplacé par mon ou ton. Son père est venu. Je peux dire mon père est venu. Maintenant, on va passer à faire des exercices. Je m'entraîne. Je barre exercice numéro 1. Je barre la forme qui ne convient pas. Je barre la forme qui ne convient pas. Que sont devenus ses amis? Ici, la forme que je vais barrer, c'est son. La forme qui convient, c'est le verbe être conjugué à la troisième personne du pluriel. Son, c'est S-O-N-T. Le carnaval est son concours. Ici, je parle du concours. Le concours, le son qui convient, c'est S-O-N. Je barre S-O-N-T. De danse, son attendu par nous danseurs. Ici, je barre S-O-N. La forme qui convient, c'est S-O-N-T, c'est le verbe être. La poule est son poussin. Je parle du poussin, c'est le poussin. La forme qui convient, c'est S-O-N. Je barre S-O-N-T. La poule est son poussin. Les deux sont dans la cour. On va utiliser, ou bien la forme qui convient, c'est S-O-N-T. Je barre S-O-N. Maintenant, je passe à faire l'exercice numéro 2. Je réécris sur ton cahier les phrases suivantes en remplaçant son par mon, puis ton. Ici, son chien est un labrador. Pardon, est un labrador. Son chien est un labrador. Je remplace son par mon. Mon chien est un labrador. Je peux dire ton chien est un labrador. Pas de changement. La seule chose qui change, c'est le déterminant. Son séjour est agréable. Je peux dire mon séjour est agréable. Pardon. Je peux dire aussi ton séjour est agréable. Son pantalon est déchiré. Si je parle de mon pantalon, je peux dire mon pantalon est déchiré. Ton pantalon est déchiré. Pas de changement. Son lit est défait. Mon lit est défait. Ton lit est défait.
Son père est absent. Mon père est absent. Ton père est absent. Exercice numéro 3. Réécris au singulier les phrases suivantes. Les bergers sont de retour. Le berger est de retour. Les contes sont des histoires passionnantes. Le conte est une histoire passionnante. Les chevaux sont les meilleurs amis de l'homme. Le cheval est le meilleur ami de l'homme. Exercice numéro 4. Complète avec son S-O-N ou bien S-O-N-T. Ali, I. Ici, Ali et son, je parle du chien. Le chien sont dans la forêt. Sont dans la forêt. Toutes les routes sont encorbées et travaillent dans son bureau, le bureau. Sur les dossiers qui sont la forme que je vais écrire, c'est le verbe être. Sont entassés sur la table. Le berger laisse courir son regard sur les prés qui sont autour de sa cabane. Ali et son chien sont dans la forêt, toutes les routes sont encourbées. Elle travaille dans son bureau sur les dossiers qui sont entassés sur la table. Le berger laisse courir son regard sur les prés qui sont autour de sa cabane. Mes chers élèves, fin de séance. À la prochaine, Inch'Allah.